Jean-Sébastien Roulin, agriculteur dans le 86 sur la commune de Persac, en Gaec avec mon frère, sur une exploitation de 300 hectares et on élève 1450 brebis. Donc avec deux races, la race suffoque en sélection pour vendre du reproducteur et la race mouton charolais pour également vendre du reproducteur. On est présent à Paris pour le salon de l'agriculture car nous avons deux lots d'agneaux pour une vente aux enchères. Donc dans la démarche agneau du Poitou-Charentes, donc ces deux lots ont été vendus à des grandes surfaces. La vente s'est très bien passée, ça permet de valoriser nos bêtes et de communiquer avec le grand public comme quoi aujourd'hui les agriculteurs produisent de la bonne viande pour le consommateur. L'agneau de Poitou-Charentes est reconnu partout dans la France. C'est un agneau qui est abattu entre 70 jours et 300 jours. Conduit avec, donc il y a un cahier des charges avec des aliments qui sont dans un cahier des charges et avec une conduite à l'herbe. Donc il y a 7 races reconnues pour l'agneau Poitou-Charentes. Donc ce sont 7 races à viande, notamment le Suffolk, Mouton Charolais, l'Île-de-France, Texel, Charmois, Rouge de l'Ouest. Nous aujourd'hui on avait deux lots en race Suffolk. Donc il y a un lot qui a été vendu 2150 euros, donc c'est des lots de 3 agneaux. Et le second lot a été vendu à 2450 euros. Habituellement, ce sont des agneaux sur les exploitations qu'on vend entre 110 et 140 euros selon les périodes de l'année. Ça récompense notre travail et ça montre aujourd'hui que, comme quoi, il y a encore des connaisseurs qui reconnaissent les bons animaux qu'on produit.